plusieurs milliers de Hongrois sont descendus dans les rues de Budapest en marge de la venue du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ils manifestent en soutien aux Kurdes de Syrie, menacés par l'opération Source de paix menée par Ankara. Nous sommes aux côtés des Kurdes, car Erdogan mène un combat à mort contre eux. Et nous ne voulons pas, en tant que chrétiens, y prendre part. Le long du Danube, une cérémonie a eu lieu en hommage aux victimes de l'offensive. Plus d'une centaine de civils sont morts et 300 000 personnes ont dû fuir face au combat. Le tout nouveau maire de Budapest, figure de l'opposition au Premier ministre Viktor Orban, était également présent. Une émotion qui n'a pas troublé la rencontre entre les deux chefs d'État. Orban, Erdogan, deux profils très différents, mais une alliance de raison sur la scène internationale. Aucun pays ne peut changer l'endroit où il se situe. Donc si à droite se trouve Berlin, à gauche Moscou et au sud Istanbul et Ankara, c'est comme ça. L'intérêt de la Hongrie est aussi celui du président Erdogan et de la Turquie. Des mots apaisants car Tayyip Erdogan détient un atout de poids, près de 4 millions de migrants qu'il menace encore une fois d'envoyer en Europe. Que nous obtenions plus de soutien de l'Union européenne ou pas, notre hospitalité continuera envers les migrants. Mais je dois ajouter ceci. Nous avons un dicton selon lequel nous ne pouvons pas tout supporter. Si nous voyons qu'il n'y a pas de solution, nous devrons ouvrir les portes. Le Premier ministre Viktor Orban explique continuellement que la politique étrangère hongroise doit être particulièrement vigilante à l'égard de trois capitales, Ankara, Moscou et Berlin. Il tente ainsi de se rapprocher de l'axe turco-russe, aujourd'hui faiseur de roi au Proche-Orient. Tanács Gábor, Budapest, Euronews.